Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo à thème sur Fortnite BR, puisqu'on va parler de l'arrivée du jetpack en mode Battle Royale. Et ouais mon pote, les développeurs de Fortnite, ceux d'Epic Games, ont prévu un jetpack dans le jeu. Tu crois ça? Tu croyais qu'ils se foutaient de ta gueule? Eux, clairement pas. Je vais voir avec vous à quel point ce jetpack pourrait éventuellement changer la méta, changer la manière de jouer et changer l'approche en général du jeu. Est-ce qu'on pourra récupérer ce jetpack un peu partout? Ou est-ce qu'on sera obligé d'aller le chercher dans des coffres ou des largages de ravitaillement? Ça, c'est un point que je voulais évoquer avec vous. Et l'autre, c'était, est-ce qu'il a une durée de vie? Est-ce qu'il a une durabilité? Est-ce qu'on l'a seulement sous la forme légendaire? Est-ce qu'il a une hauteur maximum? Parce que si tu peux monter genre à l'infini ou je sais pas, ce serait peut-être un petit peu cheaté. Dans quel cas de figure on l'utilisera ou pas? Parce que moi, je pense que si tu utilises le jetpack en mode dans les pâturages et tout, dans des zones vraiment dégagées, en mode je suis un oiseau et t'as un chasseur en dessous, il te casse, c'est terminé, tu vois. Donc ça, c'est des points que je voulais soulever avec vous et j'espère vraiment que j'aurai votre avis dans les commentaires. C'est parti, on va se lancer une petite game et on va discuter de tout ça. Jackie, tout, vous êtes bon pour la régie, le son? Ouais. On lance. On va partir pour un petit Retail Row, j'ai pas trop envie d'aller de l'autre côté à Pleasant Park puisque... sales expériences, tu vois. Pleasant Park, vous-même, vous connaissez les bails. C'était vraiment très tendu la dernière fois quand je me suis fait agresser par cette chimail. Pour ceux qui me suivent et qui ont vu la dernière vidéo, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, je vous conseille d'aller la voir. Tiens, tu vois, il est là, mon lanceur. Tu sais comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé Anas. Tu sais pourquoi je l'ai appelé Anas? Parce qu'Anas, c'est mon pote et je fais des vidéos avec lui sur Fortnite. Pourquoi je l'ai appelé Anas? Aucune originalité, mon pote. Allez, terminé. Toi, tu joues plus. Je veux dire, il y a un moment donné où il faut savoir s'arrêter aussi. Il y a des petites grenades. On va recharger. Et il y avait un shotgun là, juste en bas pour lui. Ça, c'est vraiment désolant. Là, je suis vraiment triste pour lui. Un deuxième petit shotgun, une petite pétrolette bleue, on s'en va les steaks comme la courte paille. Est-ce qu'on aurait éventuellement des choses ou des gens ici? Ouais, juste là-dedans. Terminé. T'as pris un petit coup de shotgun dans la bouche, est-ce que t'étais prêt? Est-ce que t'étais prêt? Non, t'étais pas prêt mon pote. Et il y a rien là en bas. Et le buisson, ça c'est hors de question, je le prendrai pas. Alors est-ce que dans des villes comme ça, le jetpack serait vraiment utile? Je pense. En vérité, je pense. Terminé. Ouh loulou. On a bégayé un petit peu là, non? J'ai vraiment l'impression qu'on a bégayé un peu. Ça me mettra full shield. Là vous allez me dire, ouais c'est pas bien, tout ça, nanana. Je m'en bats les couilles. Pas le time, no time. Ouais le coffre il a été fait, ils ont tout fait là. Donc il va falloir que je redescende dans la ville. Et peut-être que même là ça a été fait, tu vois. Alors est-ce qu'il... Oh, hello les potes. C'est où que c'est en train de taper? Je veux des infos là. On me donne les infos. Mais c'est tous des ninjas là, ils construisent à la vitesse de la lumière et ils font des trucs tout chelous. Je suis pas habitué à ces trucs là moi. Vous pouvez pas être des bombies comme tout le monde? Courir, faire des trucs anodins, t'es mal à la construction qui m'a fait wesh. Comment je suis censé faire moi avec des gars qui construisent comme ça? En vérité je suis choqué. Moi j'ai pas un build aussi fort que ça, hein. Genre no joke. Je me débrouille, ça va, je le shoot. Bon, on va commencer à taper la petite zone, on va se rapprocher un petit peu, j'ai tout, en vérité j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Et... là, il me faudrait peut-être à la place du shotgun de chasseur, j'aimerais bien peut-être un bourlingueur ou un lance-roquette. Lance-roquette, je suis très strong avec. Vous me direz en même temps, tout le monde est strong avec. Non. Lui, je sais pas ce qu'il faisait là, mais il était en vacances, je pense. Vamos a la playa. Il était en train de se balader. Il m'a dit, ouais, ça va ou quoi, tranquille. Au calme. Et là, tu vois, c'est dans des zones comme ça que j'apprécierais pas du tout avoir un jetpack et un coffre là-bas. Wesh, 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 wesh. Putain, j'ai eu très peur. Qu'est-ce qu'il avait comme arme pour me faire des dégâts comme ça? Bah, je pense pas une arme de ouf en vérité. Hein. Il a dû me two-shot avec, je sais pas, une AR ou quelque chose. J'ai quand même eu très peur qu'il me soulève parce que j'ai bégayé de ouf sur mon shoot et j'ai pas construit. Chose que je m'étais promis que je ferais tout le temps maintenant. Il y a un shotgun bleu. C'est good. Et il y a quoi? Bah, il avait une scar violette. C'est peut-être pour ça qu'il me faisait autant de dégâts en fait, en vérité. Hop, donne ta scar. Donne ton shotgun, donne ça.
Et let's go. Faut que je recharge ça. Et on va simplement se rapprocher de la zone. C'est dans des zones comme ça aussi qu'un jetpack serait éventuellement utile. Je dis pas que ce serait utile de ouf, mais ce serait éventuellement utile. Genre ça pourrait servir. Je vais réutiliser ces constructions pour prendre un peu de hauteur, parce que j'aime bien prendre de la hauteur. Après c'est pas forcément tout le temps une bonne chose non plus. Oh oh, hello man. You good? You good? Qu'est-ce que t'es en train de faire mon pote? Il est en train de mettre des pièges là-dedans je crois. Qu'est-ce que tu fais? Mais faut pas FK là? Mais... Bah alors mon petit chocopoto? Qu'est-ce que tu m'as fait? En vérité, il n'y a aucune satisfaction à ce que je viens de faire. Je suis dans la zone. Là-bas, il y a eu des constructions aussi. 80 munitions de shotgun. Oh, on commence à être bien tout doucement. Oh. Sérieux, il a pas été pris? Putain. Full mini pote. A few moments later. Maintenant, faut juste faire attention puisqu'on va se rapprocher de Tilted Towers. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. On est en top 18. Ah, tu vas voir ce qui va se passer, mon petit pote. Le top 1, il est là. Et dans des villes genre Tilted Tower. Je pense que ce serait intéressant de ouf d'avoir un jetpack. Je pense que là, effectivement, ce serait intéressant à la mort. Oh, ça fight vénère là. Ça fight encore? Ça fight encore de ouf. Toi tu vas pas être... Faut que tu descendes. Terminé mon chocopoto, c'est terminé. Vas-y donne. Et de toute façon on va bouger puisqu'on a aucun intérêt de rester ici. Et j'aurais peut-être dû prendre les bandages, mais en vérité je m'en branle des bandages. Ça fait du bien de soulever un peu de monde. Top 14, 8 kills. On continue, on va au moins viser le 10k et on sera bien de ouf. Ouais bref, je disais, c'est dans des villes genre Tilted Tower qu'un jetpack ce serait vraiment utile. Passer de toit en toit, se balader dans des zones serrées où on a pas mal de couverture. J'en ai vu un juste au top là. Il va m'enculer, si jamais il me voit, il va m'enculer. Faut que j'aille le récupérer en vérité. La zone va rétrécir. En vérité, je vais me mettre là-haut, je vais attendre ceux qui reviennent de Tilted. En espérant que je me fasse pas soulever. Parce que ça c'est un des trucs que je déteste, c'est me faire exploser sans même avoir de duel. Et ça arrive des fois, hein, tu te fais one shot. T'as rien demandé à personne, personne t'a dit bonjour et tu te fais exploser. Ça me paraît compliqué les chocopotes. Est-ce que je serai éventuellement attendu? Je ne sais pas. Franchement, c'est ce que je fais, ne le reproduisez pas à la maison, ça a été réalisé par un professionnel. Let's go. Minigun. Barre-toi White, barre-toi. T'as du légendaire, t'es bien, t'as pas besoin de siquer plus. T'as 15 bandages en plus. Putain, j'ai fail ma construit. Non, mais what? Eh, c'est bugué votre truc, hein, c'est cassé. On arrive dans le top 10. C'est pas le moment de mourir, mon petit White. Comment je vais me faire enculer? Jamais traversé ici. Non, mais genre, no joke. Messieurs, dames. Non, mais vous allez pas me dire que vous allez jouer un hide and seek de l'infini juste ici. Messieurs, dames. On est 5, mais je les vois pas en vérité. Vraiment, genre, vraiment. Bon, bah écoute, je vais redescendre et puis je vais aller jouer là-bas. Hein. Et là, pour le coup, tu vois, dans des zones comme ça, un jetpack pour moi. Ce serait vraiment pas utile, je pense. En toute honnêteté. Ce que je vais faire. Oh, j'en ai vu un là-bas. Il va tellement m'enculer. Il m'a pas vu. Il est en train de construire sa petite zone là-bas. Ok, donc ils ont décidé de s'enculer là-bas. Très bien. Moi, je vais en profiter pour monter là-haut. 3. Good. C'est un 1v2. Si je gère bien, je peux le sortir. Pas que je fasse le con. Il avait un shotgun violet et il m'a pas enculé. Ça me fait mal au cœur. Ok. On va prendre le lance-ro. On va prendre ça. Et on va y aller mon petit pote. Ah ouais, mais il y en a qui se sont construits des bases d'enculés en vérité. Si je gère bien, je peux tout faire.
Oh. PTDR. Il est tombé. Il est tombé, j'ai même pas eu mon dixième kill, il s'est cassé la gueule comme une merde, je l'ai fait tomber de sa tour, ah, c'est ridicule. J'ai pas envie de faire de commentaires négatifs parce que ça m'est déjà arrivé, hein, 13-14 kills de tomber d'une tour et de m'éclater comme une pauvre merde. Vous l'avez déjà vu arriver. En tout cas, voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. On aura parlé un petit peu du jetpack et j'attends vraiment vos retours dans les commentaires, savoir un petit peu ce qui va se passer quand le jetpack sera là. Malheureusement, on peut pas donner plus d'infos pour le moment parce qu'on en a pas. Mais dès qu'il y en aura, je vous invite vraiment à aller consulter cette chaîne YouTube puisqu'il y aura un max d'informations dans l'avance sur les nouvelles sorties de Fortnite et tout ce qui va bouger dessus. Voilà les amis, c'était White, j'espère que vous avez kiffé. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, très bientôt, très prochainement, peut-être même ce soir pour un nouveau live et pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, peace.